drums in. Un peu de frustration, un peu. Et dommage qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Parce que je pense qu'on aurait pu prendre ce match-là. Ouais, je pense qu'il y avait la place. Et ouais, c'est un match. Je pense qu'il va nous coûter cher. C'est un gros match à prendre à domicile. Et le fait de perdre, je pense que plus tard dans la saison, ça va nous faire mal. Bah, clairement, l'agressivité. Hein. L'agressivité, on n'a pas su stopper. On n'a pas su stopper beaucoup d'actions. À un moment donné, c'est dans les marquer. On a manqué de stop et d'agressivité. Là, il va falloir qu'on retourne à l'entraînement. C'est là la partie la plus dure pour un sportif après des défaites comme ça. Et te dire qu'il faut encore rebosser, encore plus agressif. Et essayer de relever la tête. Parce que voilà, avec la Champions League, on sait qu'on va enchaîner beaucoup de matchs. Donc si tu as la capacité de passer à autre chose, c'est le mieux, je pense. Rouen, on sait qu'ils ont pris un gros tarif là-bas, Gravelines là. L'ASVEL, ils étaient sur une série de deux défaites. Ils s'étaient un peu remontés aussi. Il faut qu'on arrive à passer à autre chose et à jouer fort. Honnêtement, il faut qu'on joue plus dur et qu'on soit plus agressif. Ouais, ça fait toujours plaisir. Même si avec ce silence, j'arrive pas à mettre mes lancers francs. Et ça fait honnêtement, ça fait quand même plaisir de se sentir soutenu par le public malgré le. Des fois on a un peu des trous d'air, malgré ça, on sent qu'ils sont quand même là derrière nous. Et c'est encourageant. Honnêtement, tous les matchs on les attend. Là ça c'est une nouvelle compétition. C'est contre des équipes étrangères. Et je pense que même si c'est nouveau pour la plupart des joueurs, notamment moi, je vais faire mon premier match de Champions League, c'est là. Il va falloir qu'on se concentre sur nous. Là, je pense que c'est ça l'essentiel pour l'instant, c'est qu'on arrive à se concentrer sur nous d'abord.